Voilà, nous allons parler du diaphragme. Qu'est-ce que le diaphragme? Le diaphragme correspond à l'œil humain. L'œil humain, quand vous avez beaucoup de lumière, il se ferme et s'ouvre quand il y en a très peu. En photographie, c'est exactement la même chose. Sur cette photographie-là, je passais d'un côté très clair à un côté plus ombragé. Donc j'ai ouvert mon diaphragme pour que la lumière puisse rentrer dans les petites lamelles du diaphragme et impressionner la pellicule photo. C'est ce qui va donner la quantité de lumière nécessaire pour que la photo soit bien exposée. Sur un autre exemple, ce monsieur, qui est éclairé simplement sur le visage, le reste part un petit peu dans l'ombre, je dois, avec une cellule, prendre la lumière sur lui et régler mon diaphragme en fonction de l'intensité de la lumière. C'est-à-dire, s'il y a beaucoup de lumière qui arrive, je ferme mon diaphragme. La quantité de lumière qui doit passer dans ces petits orifices, parce que c'est un petit orifice, pour impressionner la pellicule, est plus ou moins forte en fonction du réglage du flash sur cette photo-ci.